Salut, c'est Vénusa. Aujourd'hui, je vais répondre à la question « Comment agit le Gémeaux ? Quels sont les besoins du joyeux du Zodiac ?» Alors, je donnerai tout d'abord un petit aperçu, ainsi que mon interprétation. Ensuite, j'irai sur une petite comparaison de deux personnages dans la pop culture. Et enfin, une petite conclusion. Tout d'abord, le Gémeaux est l'amuseur du Zodiac. Il va justement jouer des tours et le penseur. Il s'agit d'un signe d'air et il est le troisième signe du Zodiac. Donc, il va réussir à réfléchir très vite, rapidement et à collecter plusieurs données de différentes sources d'informations assez vite. Donc, ce qu'il va aimer, c'est avoir des débats et des discussions stimulantes. Donc, sur divers sujets. Donc, on peut partir vers de la criminologie, comme la politique, comme la dernière sortie jeux vidéo. En vrai, tout peut l'intéresser et il est très curieux. Donc, la planète maîtresse du Gémeaux est Mercure. Donc, il s'agit de la plus petite planète de notre système solaire. Et donc, à cela, en fait, elle fait le tour du Soleil, en 88 jours. Donc, ça va avec le mythe d'Hermès, donc le dieu grec, qui est le messager des dieux. Donc, il faut aller vite, et on perd pas de temps, justement, à... Bon, si, on va perdre du temps à trop réfléchir, mais on perd pas de temps, on est déjà dans l'action. Alors, les qualités du Gémeaux sont qu'il est curieux, captivant, empathique, visionnaire, intéressant, sociable, chaleureux et extraverti. Toutefois, au contraire, vos défauts, si vous êtes Gémeaux, vous êtes instable, bavard, avocat du diable, donc vouloir apprendre les deux parties et aller même vers le parti un peu défavorisé pour justement voir les réactions des personnes. Vous êtes des fois inconstante, superficielle, et vous prenez aussi beaucoup de place. Et insensible. Certaines personnes pensent que vous n'avez pas d'émotion. Mais si, vous en avez. C'est juste que c'est un peu compliqué. Bon, en interprétation. Pour moi, ce signe est justement assez intriguant. Justement, dans tout ce que j'ai pu rechercher sur l'astrologie, il est très souvent dans les tops des signes les moins aimés. C'est « Ah ouais, les Gémeaux, les Scorpions, ah ouais, les Scorpions, et les Capricornes, oh, les Capricornes, et les Vierges, tellement chiant. » Bon, vous inquiétez pas, je parle de tous les signes, mais les Gémeaux ont vraiment mauvaise réputation, je ne comprends pas trop pourquoi. Je les trouve, pour le coup, assez drôles, et vraiment... ouais, plein de passion et de joie, justement, pour tout le monde. En tout cas, bon, ça dépend peut-être du jumeau sur lequel vous êtes tombé, parce que, en effet, le Gémeaux, justement, a deux visages. Donc, ce sont deux jumeaux, Castor et Pollux, hein, qui viennent aussi de la mythologie, qui ont aidé Jason avec sa quête de toison d'or. On parlera de la mythologie une autre fois. Mais, en gros, ce signe-là est justement un des signes qui a deux personnalités dans le Zodiac. On peut rajouter la Vierge, la Balance et les Poissons, qui ont justement ce côté double en eux. Donc, contrairement au Taureau, qui est leur signe précédent, les Gémeaux vont être beaucoup plus... comment dire ? Ils vont être plus facilement flexibles, vu qu'il s'agit d'un signe d'air, tout d'abord, et il s'agit du premier signe mutable là, du Zodiac, vu qu'il s'agit du troisième signe. Donc, ils vont réussir à vraiment échanger de leur façon de voir la vie, et aussi leur futur. Donc, ce n'est pas rare d'avoir des Gémeaux qui ont plusieurs carrières dans plusieurs domaines différents, parce que leur cœur... les inciter à tester plusieurs choses, et justement c'est ce côté instable qui peut peut-être leur porter défaut. Wow, le Mercure, Hermès, marque de luxe, est l'un des derniers dieux de l'Olympe, hein, qui a été introduit à l'Olympe, l'un des 12e, enfin je pense que c'est le 12e, hein, faudra que je vérifie, et justement il est la dignité des marchands, du commerce et des voleurs. Ça fait plaisir. Justement, il a aussi réussi à créer la première lyre et justement à faire un échange avec Apollon, qui justement était intrigué par ce son qu'il n'avait jamais entendu auparavant. Donc justement, les Gémeaux vont réussir à sociabiliser et avoir un relationnel assez hors du commun. Donc, il va être fort en débat. Je ne sais pas s'il est mieux d'être dans son camp ou face à lui, vu qu'il va pouvoir, en fait, rétorquer différents arguments face à vous, et vous pourrez toujours en apprendre. Moi, j'aime apprendre, et je trouve que c'est la meilleure chose qu'on puisse faire. Donc, si on a quelque chose, enfin, si on a quelque chose à défendre, on doit pouvoir le défendre autant possible, et si des personnes peuvent nous contredire, bon, ça peut être intéressant, justement pour le challenge, mais c'est vrai que, bon, on n'a pas besoin de débattre sur tout, et justement, peut-être que les Gémeaux, c'est vous là, c'est les Gémeaux qui me font ça, hein, qui me font bégayer, ce sont peut-être les Gémeaux qui ont le plus de mal à être en contact avec leurs émotions. Ils vont réussir à rationaliser la plupart des événements dans leur vie, et justement pour qu'elles suivent une suite logique. Donc, en fait, se poser et réellement ressentir ses émotions est assez compliqué, et assez mal vu de toute façon actuellement dans notre société. On évolue, on devient de plus en plus fort, on devient des super saiyans, et au final, devenir de plus en plus en contact avec ses émotions demande un effort supplémentaire pour les Gémeaux et tous les signes d'air, pour le coup, vu que s'occuper à chaque fois à trouver de nouvelles solutions, à trouver de nouvelles perspectives, ou alors à changer à chaque fois de fusil d'épaule, eh bien, c'est facile pour eux. Toutefois, il y a une tendance à esquiver, en fait, ses propres démons, et ce manque de profondeur fait que les Gémeaux peut-être ont mauvaise réputation et ne sont pas considérés comme des personnes de confiance. Donc, je pense que réellement, c'est un challenge de toute une vie pour les Gémeaux de se focaliser sur leurs émotions et de peut-être donner moins d'énergie à tout le monde, alors qu'ils vont aimer ça, mais voilà, peut-être accorder plus de temps, et surtout du temps, sans rien faire, justement, pour eux-mêmes. Donc voilà, pas de musique, pas de podcast, pas de vidéo YouTube. Pas la mienne, hein, parce que vous la regardez et après, vous direz prendre une pause. Mais un moment calme, réellement, peut être justement bénéfique. Et comme ça, ils pourront aussi découvrir, vous pourrez découvrir de nouvelles facettes de votre vie. Alors, pop culture. Parce que bon, c'est bien marrant tout ça, mais c'est mieux de comparer différentes personnalités avec les signes astrologiques. Donc j'ai choisi donc les films Pirates des Caraïbes et la série Killing Eve. Alors, je commence par Jack Sparrow, qui est le personnage principal, hein, quand même, de cette saga. Pour moi, il représente... Enfin, c'est un pirate, oui, je vais quand même faire une petite description, c'est un pirate... qui a été... alors bon, j'ai pas vu les films depuis longtemps, mais bon, c'est un pirate, quand même, qui a réussi quand même à vraiment détourner l'attention à chaque fois que celle-ci est trop focalisée sur lui. Justement, quand il est dans des mauvaises passes ou qu'il se sent assez seul, il arrive à dévier la conversation, surtout quand il y a quelqu'un qui arrive à ce moment-là, et il fait le farceur, celui qui joue des tours, il arrive toujours à s'en sortir, on ne sait trop comment, peut-être parce que c'est le personnage principal, mais aussi parce qu'il a ce côté j'ai un coup d'avance sur tout le monde, et au final, ouais, je suis un esprit libre, et en fait, personne ne peut me tester. Donc, il arrive à vraiment à captiver les gens, par son esprit et son discours, son phrasé, son dialecte. Ensuite, j'ai choisi Villanelle de la série Killing Eve. Killing Eve que j'ai découvert comme ça un peu voilà, en écoutant un podcast, et vraiment je me suis dit mais oui. Enfin, déjà, cette série est particulière, vu que Villanelle, donc aussi personnage principal de la série, eh ben, c'est une tueuse en série, voilà, c'est une tueuse en série qui fait partie d'une organisation criminelle organisée, voilà. Et au final, contrairement à Dexter ou, je sais pas, Mindhunter, d'autres séries où ce sont plus des hommes, forcément, et bien là, on suit une femme qui a justement un côté émotionnel très détaché, mais elle est extrêmement drôle parce qu'elle n'a pas les émotions, elle n'a pas les émotions que l'on pense que les humains ont. pas très facile de me suivre, mais en fait, il y a, je pense, ouais, dans les premiers épisodes de la première saison, on pense qu'elle va, enfin, elle va faire un acte cruel, et on se dit, enfin, l'actrice joue ce côté, oh, je suis vraiment, mais qu'est-ce que je fais? Et en fait, non, en fait, elle déconnait, c'était une blague, et donc, voilà, et là, on se dit, ah, ok, d'accord, bah après, moi aussi, j'ai été un peu naïve, j'ai cru que t'étais une gentille, alors que non, donc, elle va réussir à faire preuve de beaucoup d'ingéniosité, dans ses mises en scène, elle va aussi beaucoup se déguiser, justement, pour atteindre ses cibles, alors elle va les empoisonner, elle va les tuer à l'arme blanche, elle va utiliser des armes à feu. D'ailleurs, les deux, Jack Sparrow et Villanelle, ont ce côté avec les mains, avec les armes, une certaine habilité non négligeable. Avec les deux mains, justement, aussi les Gémeaux représentent les mains et la dualité dans notre corps. Donc ce n'est pas étonnant. Pour le coup, ce n'était pas fait exprès, mais je m'en suis rendu compte là en faisant le montage, que oui, il y a peut-être un lien. D'ailleurs, oui, donc ce personnage de Villanelle est vraiment très, très intriguant, et bon, on se doute qu'il y a plus de profondeur derrière cette façade, mais elle arrive vraiment à être assez déconcertante et à avoir toujours l'ascendant sur nous. Et donc, c'est vraiment quand l'autre personnage principal, Sandra Chaux, qu'elle affronte, qui elle fait partie des gentils, qu'elle va commencer à s'ouvrir. Donc voilà. Donc si un Gémeaux, si vous, Gémeaux, avez quelqu'un sur qui compter et qui va vraiment vouloir prendre le temps de vous connaître tel que vous êtes, et pas cette façade amicale et gentille que vous avez, ça sera vraiment bénéfique pour vous, et vous vous sentirez plus libéré de ce poids que vous pouvez ressentir au quotidien. Alors, un dernier mot. Donc déjà, vous avez vu des images de gens qui font du badminton, des gens qui font du badminton et du tennis. Pour moi, c'est un peu le sport qui vous représente. Il n'y a pas besoin d'être vraiment beaucoup pour faire ce sport. On peut être à deux, donc en double ou en simple, et vous affronter quelqu'un. Donc c'est comme les joutes verbales, c'est je dis un truc, je suis pour, tu es contre, tu rétorques, et il y a ce jeu qui s'installe entre vous et qui fait que vous pouvez mesurer votre force, votre intellect, l'un face à l'autre, sans forcément avoir des coups directs. Donc c'est assez subtil, et je trouve qu'il y a aussi une certaine grâce, et le fait de pouvoir virevolter au vent, faire virevolter au vent le volant de badminton, ou alors la balle qui va vraiment à des vitesses assez prodigieuses. Ça a ce côté assez imprévisible des Gémeaux, et donc voilà, je voulais faire cette vidéo pour vous les Gémeaux, et oui, vous êtes un des 12 signes du Zodiac, vous n'avez pas à être dans les moins aimés, donc voilà, je ne comprends pas, et il n'y a pas de problème. Donc si vous êtes Gémeaux, et que vous reconnaissez dans tout cela, eh bien, je vous invite à laisser un commentaire. J'ai mon site, justement, où il y a d'autres articles sur l'astrologie en général. Donc voilà, si vous voulez débattre, je suis ouverte à toute proposition. Donc, c'était Vénusa. Bonne nuit, bon appétit, à plus tard.